Shut up and sit down. OK, donc l'atelier 2.0, la mise en place d'un environnement test avec Windows Server 2008. Donc, on va aller installer Server 2008 dans un environnement test. Pour moi, ça va être VMware, mais pour vous, ça pourrait être VirtualBox qui est gratuit et disponible en tout temps. Les objectifs de la séance, c'est de se familiariser avec les éléments nécessaires à l'expérimentation et de créer des machines virtuelles ainsi que d'apprendre à installer Windows Server 2008 R2. Le contexte dans lequel on va évoluer, c'est celui du client Techminus qui souhaite faire une migration en fait entre un environnement poste à poste à un environnement de domaine. Et évidemment, avant d'implanter le domaine chez mon client, je vais faire une petite phase de test pour m'assurer que tout fonctionne. Pour ça, je vais avoir besoin d'installer deux ordinateurs Windows au minimum, donc un client et un serveur. Mon serveur va être 2008 R2 comme ce que je vais mettre en production chez mon client Techminus. Et puis, dans le cas de Techminus, en fait, il y a un Windows 7 puis un Windows 10. Au début, je n'aurai pas besoin nécessairement de les utiliser beaucoup. Je pourrais n'importer qu'un seul des deux pour faire des tests, mais à long terme, il me faudra définitivement les deux. Donc, dans un premier temps, je vais devoir relever les caractéristiques de ma machine réelle, donc de ma machine host. Et si je m'en vais juste regarder ici dans mon gestionnaire de tâches, pas vraiment, dans l'onglet performance, je vais avoir processeur, mémoire et disque dur. Ce sont les trois ressources critiques qu'il faut que je surveille absolument. Donc, si je clique sur mon processeur ici, je vais zoomer pour qu'on puisse aller voir, je vois que présentement, j'ai deux cœurs physiques et quatre cœurs logiques. Donc, ce n'est pas un vrai quad-core physique que j'ai sur ma machine. Je ne devrais jamais réduire ma machine host, donc la machine qui héberge les environnements virtuels, à moins d'un cœur. Okay? Donc, comme j'en ai deux, toutes mes machines virtuelles vont en avoir un. Okay? Si j'avais été avec une machine plus performante, si à la maison vous avez une machine plus performante, comme une vraie quad-core par exemple, j'aurais pu opter pour un serveur à deux cores et mes clients à un seul core. Okay? Évitez de sur-saturer vos machines réelles avec un environnement virtuel chargé, sinon ça va le rendre instable. Deuxièmement, je vais aller voir la mémoire. Et là, la partie qui va m'intéresser, c'est la partie qui est disponible. Donc, dans mon cas à moi, oui, j'ai 16 GB de RAM, mais j'en ai seulement 10 de disponibles. Il va dans un premier temps falloir que je soustrais de ça mon serveur. Et si on regarde un serveur 2008 R2, le minimum requis pour qu'il fonctionne, c'est 2 GB. Et ensuite, au moins un client, mon Windows 7 par exemple, qui lui aussi nécessite 2 GB. Ça ne sert à rien de mettre toute votre RAM dès le début. Vous pouvez en ajouter plus tard s'il advenait que votre environnement de test nécessite plus de RAM. Vous pourriez augmenter ça post-installation. Donc, limitez-vous à ce que vos machines ont besoin. Et là, dans mon cas, moi, vu que je vois que j'ai beaucoup de place, je vais aller mettre mon Windows 10 aussi. Et comme c'est un Windows 10 64 bits, j'ai intérêt à mettre au minimum 4 Go. 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste un 2 Go de lousse, de disponible, qui va me permettre, dans le fond, d'ajouter au besoin dans une machine ou l'autre lors de mes tests. Finalement, je vais aller voir mon disque dur. Ici, je vais avoir sa capacité évidemment totale, mais ce qui va m'intéresser, c'est ce qui reste. Donc, je n'ai pas l'information dans cette page-là.
Je vais aller plutôt dans mon poste de travail, ce PC. Donc, on voit que j'ai 95 Go de libre. Lorsque vous allez créer vos machines virtuelles, ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle une allocation fixe de l'espace. C'est-à-dire, quand vous créez des disques durs virtuels, vous pouvez dire soit VirtualBox ou VMware, c'est la même chose, de réserver tout l'espace tout de suite. Tu as un petit gain de performance quand tu fais ça. Ça va aller plus vite, le boot va être plus vite, l'application va ouvrir plus vite dans votre machine virtuelle. Par contre, ça va vous bouffer immédiatement de votre disque dur, là, ça va retrancher immédiatement tout l'espace. Fait que si pour vos tests, vous avez mis, je dis un chiffre hypothétique, 30 gigs pour votre serveur, bien automatiquement 95 va passer à 65. Même si en réalité dans votre serveur, dans le 30 gigs que vous auriez alloué, votre serveur en utilise que 10, mettons, mais les 20 autres gigs sont quand même réservés au serveur. Si vous êtes en taille dynamique, donc si vos disques durs ne sont pas une taille fixe, ben à ce moment-là, vous pouvez être un peu plus flexible et donc excéder ce 95-là parce que dans le fond, il ne prendra pas tout l'espace et le fichier va grossir tranquillement. OK? Donc, j'ai relevé mes caractéristiques, ce qui va me permettre de planifier mes trois environnements virtuels. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je vais commencer par ouvrir mon environnement VMware qui est ici. Si vous êtes sur VirtualBox, ça va être très similaire, mais vous allez avoir des petites étapes de plus. Je vais faire créer une nouvelle machine virtuelle. Je clique. Le niveau de compatibilité, là ici, on ne touchera pas. Là, on va laisser à custom, le mode avancé. Sinon, vous allez voir, là, c'est assez minimaliste. Suivant. Maintenant, le type d'install. Si vous choisissez le mode ici, Installer Disk, et que vous mettez un système d'exploitation dans VMware que VMware connaît, c'est un système grand public, par exemple, tout ce qui est les Windows 7, Windows 10, Windows Server, ce qu'il va faire, je vais vous le montrer. Regardez-moi, ici, j'ai attaché un Windows 10, là. Et il dit Windows 10. Bon, blanc. This operating will use Easy Install. C'est un auto-install. De la même manière qu'on aurait pu faire un fichier unattend avec Sysprep, pas avec, l'outil de déploiement, et faire en sorte d'auto, de mettre de quoi qui auto-install. C'est ce que fait VMware. Maintenant, dans notre cas, nous, on est des techniciens. On aimerait peut-être mieux avoir plus de contrôle sur les détails de l'installation. Évidemment, on n'optera pas pour ça. On va choisir plutôt, je vais juste mettre en zoom permanent, I will install the operating system later à la place. On va aller plus loin. Vous n'aurez pas cette étape-là dans VirtualBox, ça va être un petit peu différent. Ici, c'est pareil à VirtualBox, donc choisissez votre OS, donc Microsoft Windows. Je vais choisir dans ma liste le type de serveur. Je vois que j'ai les... 2008 ici, je le voyais juste pas. Important de choisir que c'est le 2008 R2. Ça va avoir un impact sur plein de choses. Lorsque vous ne choisissez pas le bon appareil dans votre liste, entre autres choses, quand vous ajoutez les additions évitées, ça peut avoir un impact. Si vous utilisez le Easy Install, ça va avoir un impact. Donc, on le laisse comme ça. Son nom, évidemment, moi, il met un petit 2 entre parenthèses parce que c'est la deuxième fois que je le fais, donc il existe déjà dans mon système. Mais vous, vous pourriez garder le nom tel quel. Je vous invite à essayer autant que possible de nommer vos objets dans votre environnement virtuel le plus clair possible. Vous pourriez l'appeler TechMinus si vous voulez, serveur principal. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appeler Windows 2008 R2-Dash. TechMinus parce que c'est mon environnement de test pour ce client-là. OK. Suivant. Type de BIOS, on va laisser à BIOS. Dans certains cas, si vous voulez faire des tests avec des UEFI, vous pourriez. Mais en général, si ça n'a pas d'incidence pour vous, laissez-le toujours à BIOS. Nombre de processeurs, donc on a dit qu'on laissait ça à 1.
parce que j'ai un seul corps physique. La RAM, dans le cas de VirtualBox, ça va être un petit peu différent, mais on va avoir quand même normalement les niveaux de suggestion. Donc, si vous regardez ici, dans le premier en haut, c'est le maximum recommended. Donc, ce qu'il vous dit ici, VMware, c'est vous ne pouvez pas aller au-delà de 13.4. Lui, il compare avec votre système d'exploitation actuel, dans mon cas, un Windows 10. Il compare avec ma RAM actuelle, qui est 16 GB total. Puis, il dit, pour faire fonctionner ton Windows 10, si tu vas au-delà de 13.4, ton Windows 10 host ne va pas bien fonctionner. Le deuxième, c'est celui qu'il te recommande en fonction du type de OS que tu as choisi. Donc, si tu as bien choisi Windows Server 2008, il va te dire, ben, pour rouler ça, moi, ce que je te recommande, c'est 2 GB. Et finalement, le Guest OS Recommended, encore une fois, s'il connaît votre système, ben, il va regarder quel est le minimum requis. Donc, ça, c'est le Recommended. Ça, c'est le minimum. Alors, quand vous consultez une application, on a toujours le minimum requis, le System Requirement, puis on a le Recommended Settings. Donc, ce sont ces deux valeurs-là. Dans mon cas, moi, je vais aller sélectionner... Oups, là, j'ai comme perdu ma souris. Je pense que c'est Zoomit qui a fait ça. Voilà. Je vais le laisser en fait à 2 GB. Je vais faire suivant. Type de réseau, je peux le changer ça après. Je vais juste deux secondes. Oh, je n'ai pas le choix. On va laisser tel quel. De toute façon, à la fin, on va aller changer ça. Je vais faire suivant. Type de disque dur, je vais faire suivant. Ici, vous pouvez le laisser à SCSI. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le mettre à SATA. Ça va revenir au même au final. Surtout que vous n'utiliserez pas beaucoup de disques. Mais SATA, vous êtes plus limité dans le nombre de disques que vous pouvez mettre. Moi, ça n'a pas d'incidence. Je vais le laisser à SCSI. Je vais dire de créer un disque virtuel. Sa taille. Vous pourrez augmenter cette taille-là, mais pas facilement. Et vous ne pourrez pas la réduire. Du moins, ben, VMware le permet, mais VirtualBox ne le permet pas. Donc, assurez-vous de choisir ce que vous avez besoin. Et pour votre environnement de test, ça va être juste un serveur bien ordinaire. On va faire vraiment juste des tests. 40 gigs, ce serait peut-être un peu trop pour rien. Moi, je vais le mettre à 20. Le minimum, c'est 10. Je vais doubler mon minimum. Si vous êtes craintif, mettez-le à 30, mettez-le à 40. Mais assurez-vous de ne pas... elle est ici, là, l'option. Là. En VirtualBox, ça s'appelle Allocate Disk Space Now. En VirtualBox, ça va s'appeler Taille Fixe. Si vous cochez ça, il vient bouffer tout de suite le 30 GB que j'ai mis là sur votre disque dur, c'est fait. Et c'est beaucoup plus long de créer le disque dur parce qu'il doit créer un fichier de 30 GB pour réserver. Donc moi, je ne ferai pas ça. En dessous, c'est une option que vous n'aurez pas sur VirtualBox, c'est de faire du single file ou du multiple file. Donc si vous savez que vous allez bouger votre machine virtuelle d'un ordi à un autre, ben, vous êtes mieux de faire du multiple file, ça le rend plus facile à déplacer. Si dans mon cas, moi, grâce à mon environnement de test, il va rester là, il ne bougera pas, ben, je vais utiliser à ce moment-là Single File. Et faire suivant. Il me demande quel nom je veux donner. Laissez le nom que vous avez là pour que le nom soit identique à votre machine. Plus facile de gérer vos disques durs virtuels après. Next. C'est là où ça devient un petit peu intéressant. J'ai terminé. Plus ou moins, j'avais besoin dans mon atelier. On va y revenir ici. Quand on regarde le bon de travail, comme j'ai lu d'avance mon atelier avant de commencer, je sais qu'il va y avoir deux cartes réseau. Alors, il y en a une qui va être en NAT, ça va, mais l'autre, elle va être en réseau interne LAN. Donc, je suis aussi bien de le faire tout de suite. Si je fais dans Customize Hardware, vous ne pourrez pas faire ça avec VirtualBox, VMware le permet tout de suite. VirtualBox, vous n'aurez pas le choix de fermer, compléter l'étape. Et ensuite aller dans les configs. Là, je vais aller dans Network Adapter. Donc, je vois que j'ai déjà ma NAT. Je vais faire Add Network Adapter
Et là, mon network adapter 1 et 2, le 2, je vais le changer, je vais dire, sur un réseau LAN. Et là, moi, j'ai déjà créé préalablement un réseau qui s'appelait LAN 1. Je vais en créer un autre. Je vais appeler LAN 2 pour mon deuxième environnement de test. Et voilà. Close. Finish. Donc, vous voyez maintenant, j'ai ici ma machine qui a été créée. Je vais juste réactiver Zoomit. Voilà. Donc, je suis prêt à installer. Et là, à partir de maintenant, on est la même étape que si on était dans un environnement physique. Première étape, on va faire le power on, démarrer la machine. Et là, il me dit, je ne suis pas capable de démarrer le disque dur, le CD-ROM. Là, je dis, whoops. Tu veux-tu que j'essaie de le détecter à chaque fois? Je dis, oui. Là, il va me bugger. Il va m'aller sur le réseau. S'il ne détecte pas votre CD-ROM, dans le cas de VMware, vous allez dans VM Settings. Il y a une petite particularité. Un, je n'ai pas mis le ISO dedans. Même chose en VMware, en VirtualBox, il faut s'assurer que le ISO soit là. Donc, ça soit un vrai, comme c'était un truc. Et l'autre chose, dans VMware, il faut cocher l'option Connected. Donc, je vais aller choisir mon ISO. Dans mon cas, moi, je les ai mis sur mon bureau. ISO 2008, il est ici. OK. Je vais tout simplement redémarrer ma machine. Power. Je vais faire Reset. Et là, tout de suite, il a détecté le CD-ROM et il a booté dessus. Si vous n'êtes pas capable, mais vous pouvez toujours dans VirtualBox, je pense que c'est F12, dans VMware, c'est Escape, faire apparaître le menu de boot temporaire. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez lui dire tu bootes, puis là, choisir, mettons, CD-ROM directement. Donc, mon installation, français ça va, français France ça va pas. Vraiment changer le là, sinon vous allez sacrer. Français Canada. Suivant. Installer maintenant. La configuration pré-install est assez rapide. Vous allez voir que même là au début, là, on fait next, next, next ou à peu près là. OK, donc on voit que mon ISO, en fait, c'est un ISO multi-installation. Donc, j'ai plusieurs versions. Si vous remarquez, dans un premier temps, j'ai des versions dites minimales. Et j'ai des versions dites complètes. Vous ne voulez pas les minimales. À moins que vous voulez vraiment aimer les défis, là, minimal, pas d'environnement graphique. Donc, votre installation, votre gestion, tout à la ligne de commande ou en PowerShell, ça, c'est vraiment si vous avez les défis. OK? Cela dit, je pense à certains d'entre vous qui ont tendance à finir les ateliers vite, que ça roule. Si vous voulez vous installer un deuxième Windows Server à côté dans un autre environnement virtuel en mode minimal, puis expérimenter PowerShell, par exemple, quelque chose que je vous recommande fortement, parce qu'un serveur, normalement, autant que possible, on essayerait de le mettre en minimal, parce que toutes les ressources qui sont consacrées à l'interface graphique, c'est des ressources que le serveur n'a pas pour traiter des requêtes. Donc, dans un vrai environnement de serveur, très souvent, on essaie d'y aller en minimal.
Par contre, dans la réalité des faits, dans les petites entreprises, les sysadmins sont en mode complet parce que ils sont pas meilleurs que vous pour faire de la ligne de commande. Oups. Ensuite, j'ai standard, entreprise, data center, puis web. Data center et web, ce sont des versions standards, mais on a installé déjà des rôles pour faire du data center ou faire du web server. Okay? Donc, c'est une version standard qu'on a déjà préconfigurée un petit peu. La différence entre standard et entreprise, par contre, là, il y a une petite marge. Dans le cas de notre environnement virtuel, on va y aller avec standard parce que ça va être suffisant. Mais la version entreprise nous permet d'avoir un serveur qui a plus de processeurs physiques dessus, nous permet d'avoir plus de RAM et de gérer plus de disques durs si ma mémoire est bonne. Au besoin, allez sur Internet, faites une recherche dans Google, Windows Server 2008 Standard versus Enterprise. Vous allez trouver un tableau comparatif qui vous dit qu'est-ce que l'un offre et qu'est-ce que l'autre offre. Nous, pas nécessaire de prendre la version standard, c'est pour ça qu'on va y aller, la version entreprise, on va y aller avec standard. On va accepter les termes du contrat. Ici, on choisit la version avancée parce qu'on est un utilisateur avancé. On va garder tout l'espace du disque parce que c'était ce qui était dans la demande du client. Et c'est parti. OK, donc le redémarrage a été fait, l'installation a été complétée. Il nous reste à faire la configuration du serveur 2008. Et la première chose, ça va être d'établir un mot de passe pour l'administrateur principal du serveur. C'est aussi le mot de passe que va avoir notre administrateur de notre domaine plus tard. Donc, comme la sécurité renforcée est appliquée au niveau des mots de passe, je dois avoir un certain degré de complexité et une longueur minimum. Dans mon cas à moi, je vais faire donc A majuscule NNEXE 1 exclamation. Donc, je minuscule, majuscule, lettres et chiffres et caractères spéciaux et d'une longueur minimale de 6 caractères. Donc, si j'enlève mon zoomit, là, vous allez vous rendre compte que... Et dans le fond, même si je suis en plein écran dans mon environnement, dans mon cas, moi, c'est VMware, mon image, elle est tout petite. Pour changer ça, puis pour favoriser le fait que le Windows va essayer de s'adapter à l'image, à l'écran que j'ai en tout temps, je vais ajouter... Entre autres, je vais ajouter les additions invitées. Ça, c'est ce que vous auriez sur VirtualBox. Ou dans notre cas, nous, on appelle ça les VMware Tools. OK? Donc, si je clique là-dessus, je vais dire Install. Ce que lui, il fait en réalité, là, on peut peut-être, là, peut-être on a le temps de le voir. Vous voyez, il met un CD, en fait. C'est comme s'il popait littéralement un CD de VMware dans le lecteur CD. Puis ensuite, ben là, il est-tu parti? Non, il n'est pas parti. Bon, je vais le partir. Normalement, il le lance tout seul. Ça se peut que je le lance en double par accident. Puis il va l'installer, puis il va redémarrer. OK? Parmi les avantages des VMware Tools ou des additions invitées VirtualBox, la gestion de l'écran, la gestion des ressources va être améliorée. La capacité de faire, par exemple, un copier-coller à partir de la machine hôte vers la machine virtuelle. La capacité d'établir des partages entre vos machines, entre la machine hôte et la machine virtuelle. Donc, beaucoup d'avantages à installer ça. Donc, suivant, je laisse ça très ordinaire, on fait juste suivant, 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 là, il n'y aura rien de particulier ici.
devez redémarrer, il n'y a pas de problème, on redémarre. J'en profite pour vous dire que dans un serveur, dans le serveur 2008, dans le serveur même 2012 et 2016, lorsque vous forcez vous-même un redémarrage, quand c'est la machine qui le fait, il n'y a pas de problème, elle redémarre toute seule. Quand c'est vous qui lui demandez de redémarrer, il va vous demander le motif. Je vous invite à toujours inscrire un motif parce que c'est ce qui va vous aider à distinguer, surtout quand vous faites du débogage, les redémarrages légitimes, donc les démarrages qui étaient prévus, et le redémarrage qui pourrait être forcé, par exemple, par un bug. Okay? Dans ce cas-ci, comme c'est une application, quand il a redémarré dans le log, dans l'archive, il aura probablement écrit « redémarrage » puis le nom là, du logiciel qui a demandé le redémarrage. Donc maintenant, je suis vraiment fin prêt à configurer le serveur. Et si je vais voir mon bon de commande, hein, mon bon de travail, j'ai un nom qu'il va falloir que j'inscrive. Configuration linguistique, ça va. Lors de l'installation, j'ai pu le faire. Disque dur, une seule partition, ça va. Carte réseau, mais il faudra que je configure ma carte réseau locale. Les téléchargements, le pare-feu et la sécurité renforcée. OK. Pour nous aider là-dedans, en fait, les configurations initiales, configurations de base, là, on voit que le Windows Server, il y a une petite page d'aide là, qui vous ouvre et qui est un peu un résumé. Dans un premier temps, ben, on vous donne ici, est-ce que vous êtes activé ou pas activé? Là? Oups, mauvais piton. Donc, dans votre cas, vous avez, comme moi, vous avez des versions d'essai. On n'a pas mis de. Là, vous vous rappelez, là, on n'a pas mis de clé quand on a installé. C'est une version d'essai, donc ne l'activez pas, ça s'activera probablement pas de toute façon. OK, elle va vous demander une clé. Deuxième chose qui est importante, c'est pas mentionné dans le texte, dans le bon, c'est de s'assurer que le fuseau horaire est le bon ici. Votre serveur, lorsqu'il va s'authentifier, lorsqu'il va. Authentifier des utilisateurs lorsque des machines vont se connecter à lui, va utiliser des certificats de sécurité pour s'assurer de maintenir une relation intègre entre l'hôte qui se connecte à lui et lui-même. Ce certificat-là va avoir une date et une heure avec une expiration. Puis évidemment, si votre serveur est dans le passé ou dans le futur parce que son fuseau horaire n'est pas bon, vous allez continuellement avoir des problèmes d'incohérence entre vos deux appareils. Mes cartes réseau à configurer sont ici. On voit que présentement, j'en ai effectivement deux. Et que dans les deux cas, présentement, ils sont tous les deux en DHCP et activés IPv6. Donc, c'est deux choses que je vais devoir changer. Finalement, j'ai le nom de l'ordi qui est ici, avec son groupe de travail. Les mises à jour. Et ensuite, ben, j'ai les rôles en bas à faire. On va y revenir. Et j'ai le pare-feu. Donc, activé, j'y toucherai pas. Fuseau horaire, c'est le bon. Réseau, je vais cliquer juste sur configurer réseau pour ouvrir la page de configuration. Et là, je vois que j'ai deux réseaux. Et j'ai aucune idée laquelle, en fait, laquelle de mes cartes est celle branchée sur le réseau externe, le réseau vers l'Internet, puis laquelle est mon réseau interne. Le truc le plus simple que je peux vous donner, c'est quand vous allez dans, ensuite dans VM Settings, si vous allez dans VMware, ça va être périphérique, et là vous allez choisir réseau à la place. Vous allez à votre carte réseau, là, c'est la NAT ici. Je sais que c'est celle-là qui est branchée vers l'externe. Puis ce que je vais faire, je vais la déconnecter. Vous voyez que ça se reflète dans ma machine par un câble débranché. Donc, automatiquement, vous allez savoir quelle carte est la bonne. Et pour éviter de devoir faire ça à chaque fois, je vais les renommer. Donc, elle, c'est ma WAN. Celle-ci, c'est ma LAN. Et là, je sais vraiment quelle carte sert à quel besoin. Je peux aller rebrancher dans Setting mon câble. Donc, dans VirtualBox, ça va vous appeler câble branché, une petite case à cocher ou à décocher. Ici, j'ai Connected. Mon réseau, maintenant, il est branché.
Première étape, ben, je vais aller dans ma One. J'ai pas à changer son adressage. Il était automatique déjà. Il va obtenir donc une adresse IP de mon fournisseur externe. Évidemment, vu que j'ai l'environnement de test, il va le recevoir, vu que je l'ai mis en NAT, de l'environnement virtuel, pas VirtualBox, mais VMware. Dans mon cas, moi, ça va être 192, 168, quelque chose. Mais je vais aller décocher l'option ici, protocole Internet version 6, pour désactiver la compatibilité IPv6 et réduire le trafic inutile. Parce que laisser ça ouvert, en fait, sur un petit réseau aura peu d'impact. Grand réseau, mais là, on peut se ramasser avec beaucoup de trafic réseau inutile qui viennent consommer de la bande passante. Plus encore, pour éviter tout problème plus tard, je vais désactiver ma WAN pour l'instant. Je n'ai pas besoin d'aller sur Internet, je n'ai pas besoin de me servir d'Internet. Je suis dans ma configuration initiale et beaucoup de rôles que je vais installer de mon serveur vont s'attacher, vont faire ce qu'on appelle une liaison avec une ou l'autre des cartes réseau. Et généralement, ça va toujours être ma LAN parce que c'est des services que je vais offrir à mon réseau local. Donc, pour éviter toute confusion, lorsque je vais faire ces installations-là, je désactive tout de suite ma WAN. Et lorsque j'aurai besoin de ma WAN, je le réactiverai, je l'utiliserai. Dans mon réseau LAN, propriété, je décoche IPv6. Cette fois-ci, je vais devoir rentrer une adresse IP. Cette adresse IP-là nous a été fournie dans le bon de commande. Il est ici et cette IP-là, en fait, elle correspond, si on regarde notre plan topologie logique, elle correspond à l'adresse IP LAN qui a été prévue là, pour notre serveur par l'administrateur réseau. Okay? Il est important de bien planifier votre adresse IP puis de s'assurer que c'est la bonne parce que vous ne pourrez plus la changer. De la même manière, le nom, vous ne pourrez plus le changer plus tard. Si vous les changez, vous allez avoir la capacité de le faire. Mais tous les troubles que ce vol-là va générer vont faire en sorte que votre serveur va devenir complètement instable et ça ne vaut pas la peine. Souvent, là, IP et nom sur un serveur, on ne change pas ça une fois que c'est fait. Donc, 172.16.1.1. Mon masque. C'est un masque de 24 bits, donc 255.255.255.0. Il n'y a pas besoin de passerelle. La preuve, il y a une carte qui sert juste à ça, elle est sur Internet. Donc, cette carte-là n'a pas besoin de passerelle, puisque l'autre carte va s'occuper de tout ce qui est Internet. Et au niveau du DNS, bien, présentement, on n'en a pas. Quand on va installer le serveur DNS, vous allez voir, il va s'ajouter tout seul. On fait OK. Fermé. Mon réseau est fait. Ensuite, on va changer le nom. Je clique sur mon petit lien. Là, je vais faire modifier. Et là, je vais aller changer le nom. S pour serveur. MTL parce que le serveur est dans la succursale de Montréal. DC parce que on a planifié que ça servirait de contrôleur de domaine comme rôle principal. 01 parce que c'est le premier contrôleur de domaine de Montréal. Je touche pas au workgroup, je touche pas au domaine, je laisse ça tel quel, je fais OK. OK, et fermé. Je pourrais redémarrer tout de suite, mais il n'y aura pas d'impact, je peux continuer mes autres configs, puis redémarrer après. Prochaine étape, c'est la mise à jour. Selon le bon de commande, on nous demandait de configurer les paramètres pour pas que les mises à jour se fassent tout seul. Je vais faire configurer. Et là, je l'ai ici, là. Mise à jour automatique de Windows. Je vais faire modifier. Et là, je vais aller choisir une option. Et je vais prendre la troisième. Dans mon cas, j'ai choisi la troisième qui est télécharger les mises à jour, mais me laisser choisir s'il convient de les installer. Dans un serveur très critique, je pourrais même aller plus loin et dire « ne jamais rechercher les mises à jour ». Et là, c'est toi qui vas devoir tout faire à la mitaine. Mais dans un serveur comme un contrôleur de domaine, c'est quelque chose que je ferais, désactiver les mises à jour, parce que ce que je ferais, c'est que j'utiliserais un autre serveur qu'on appelle un serveur WSUS, un serveur de mise à jour, qui pousserait ensuite les mises à jour que j'ai choisies sur mes différents postes. Donc, ici, je vais juste le désactiver.
Oups, la troisième option qu'on nous avait dit, le télécharger. Voilà. Je vais faire OK. Et fermer. Si je continue dans ma petite page d'aide, ajouter des rôles, on va faire ça dans un futur atelier, fonctionnalité aussi. Activer le bureau à distance, je pourrais l'activer si j'étais dans un environnement physique. Rappelez-vous que dans un environnement physique, votre serveur, là, il est dans un environnement à 18 degrés Celsius, dans une salle de serveur. Puis si aujourd'hui, avec la canicule, on pourrait apprécier un petit 18 degrés. Là. En temps général, faire les installs et tout, à partir d'un clavier souris, un KVM, là, Keyboard Video Monitor, Keyboard Video Mouse, c'est une espèce de petite tablette là, que tu tires de ton rack. C'est pas super pratique, tu vas te les geler. Si tu installes ça pendant une heure, tu as plein de configs, tu vas trouver ça frette, mais pas à peu près. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on active le bureau à distance, et puis après ça, on va travailler sur le serveur, mais à partir de notre client. Donc, à partir de notre Windows 7, de Windows 10, par exemple. Moi, je ne vais pas l'activer tout de suite. Je vais faire ça à partir de mon domaine. Configurer le pare-feu, je peux aller voir sa configuration pour être sûr que c'est la bonne. Là, je vais aller dans les paramètres avancés du pare-feu. On voit. Pare-feu est activé pour le privé, donc entreprise. Il est activé pour les ordinateurs du domaine et il est activé pour le profil public. Parfait. C'est supposé être par défaut. Si vous vouliez changer, ben vous pourriez. Mais avec activer ou désactiver le pare-feu, là. On pourrait aller désactiver certains endroits, dire par exemple le réseau public, je pourrais dire ben on n'utilisera pas de pare-feu. Ça serait complètement débile. Par contre, dans un emplacement privé d'entreprise, si j'ai un pare-feu physique entre mon serveur et mes autres, ben, je pourrais peut-être le désactiver pour ne pas nuire à certains services. Donc moi, je vais laisser ça tel quel. Et je crois que ça complète. Là, on peut aller voir le bon de commande. Il ne me resterait qu'à redémarrer. Donc, si je regarde mon bon, téléchargement est fait. On a vérifié que le pare-feu. Ah! Internet Explorer. Oui. Donc, la sécurité renforcée d'Internet Explorer, on ne la retrouvera pas ici dans la page de config de base. Je vais la fermer. En passant à cette page-là, si tu ne coches pas la petite case ici, ne pas afficher, là, au prochain démarrage, elle va te revenir d'en face à tous les démarrages, toutes les ouvertures de session. Moi, je l'ai correct, là, on l'a fait. On fait le tour. Maintenant, si vous regardez, vous descendez, vous êtes dans le gestionnaire du serveur, là. Gestionnaire du serveur. Le nom ici n'a pas encore changé, évidemment, c'est parce que je n'ai pas redémarré. Et dans la fenêtre du sommaire, dans le résumé, si je descends un petit peu, sur information de sécurité, okay, j'ai ici paramétrer la configuration de sécurité d'Internet Explorer. Et c'est ici que pour les administrateurs, je vais aller le désactiver. Okay. Normalement, sur un serveur de production, je ne désactiverai pas ça. Ça évite que des logiciels malveillants téléchargent des choses à votre insu. Cependant, vous pourriez, pendant votre phase d'implantation, donc pendant que vous faites votre config et votre installation, le désactiver pour aller chercher sur les sites de confiance, comme le site de Microsoft, des logiciels, des trucs que vous avez besoin, ou des sites de votre compagnie, FTP ou autre, aller télécharger. Et une fois que vous avez rapatrié tout ce que vous aviez besoin, réactiver. La logique dans un environnement de production serait davantage, par contre, de laisser ça activer, de créer un partage et de les faire vos téléchargements depuis un poste client et de les pousser à partir du poste client vers le serveur. La plupart du temps, en partageant non pas sur le serveur, mais en partageant sur le client. Faites un dossier partagé sur un client, sur votre poste de tech, par exemple. Déposez vos trucs dessus, puis depuis votre serveur, vous allez tout simplement les récupérer. Comme ça vient de votre domaine, dans le cas-ci, il n'y a pas encore un domaine, mais d'un réseau de confiance, c'est pas d'Internet, il va vous laisser le télécharger, il n'y aura pas de problème. OK? Alors, j'ai complété mon bon de commande, je suis prêt.
Il me reste qu'à redémarrer. Comme je n'ai pas fait redémarrer tout seul le serveur, quand il me l'a demandé, mais maintenant que c'est moi, hein, que je vous ai tantôt, qui demande un redémarrage, il me demande de choisir le motif de ce redémarrage-là. Un, je vais toujours laisser cocher l'opération planifiée. Ça veut dire que c'était prévu. Et là, je peux dire matériel et maintenance, système d'exploitation, etc. On va aller dans système d'exploitation, reconfiguration. Renommage du serveur. Ça me permet d'avoir ça dans mes archives. Si à un moment donné, je dois tracer des événements, pourquoi le serveur passe son temps à redémarrer, ben, je l'ai ici. Je vais être correct. OK. Et voilà, mon serveur est installé et configuré.